Frères et sœurs, chers amis, vous qui restez chez vous confinés ou qui peut-être regardez cela après votre journée de travail, nous vous convions à cheminer, cheminer spirituellement avec nous. De quel chemin s'agit-il ? Celui d'Emmaüs, bien sûr. Ce chemin sur lequel le Christ vient à la rencontre de ses disciples. Que la grâce et la paix soient avec chacun et chacune de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous rejoins sur nos routes quotidiennes, même lorsque nous nous éloignons de toi. Même lorsque notre cœur est froid et fermé et empêche nos yeux de te reconnaître. Par ton esprit, approche-toi de nous et ouvre nos cœurs et nos vies à ta présence. Amen. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu entend notre prière et nous recevons de lui son pardon. Mon frère, ma sœur, avant que tu ne le saches, Dieu s'est déjà le premier approché de toi. Avant que tu ne te tournes vers lui, il s'est depuis longtemps tourné vers toi. Avant que tu ne l'aies cherché, il s'est mis en route à ta rencontre. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, que la moindre parole ne sorte de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Elles volent en éclats les portes verrouillées qui nous enferment dans nos tombes, celles de nos fautes, de notre isolement, de notre incapacité à vivre avec les autres et avec Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous pardonne. Amen. Première lecture faite dans l'évangile de Luc au chapitre 24, le récit du chemin d'Emmaüs.
Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et de nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces fêtes se sont passées. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés. Il est vrai. Quelques femmes se sont rendues au tombeau mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Puis il leur expliqua ce qui est dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient : Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu. Notre seconde lecture sera faite dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres : « Allons, au travail pour mouler des briques et les faire cuire au four. » Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et du bitume comme mortier. Puis ils se dirent : « Allons, au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi il se dit : « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel,
C'est là, en effet, que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes, et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'être profondément déprimée. Oui, il m'arrive d'être déprimée lorsque je vois dans quel engrenage je suis prise, moi, comme tout le monde. J'ai l'impression parfois d'être une bête à produire. Comment ? Moi, pasteur ? Eh bien oui, frères et sœurs. Comme chacun d'entre vous, le travail pastoral ne consiste pas seulement à préparer le culte du dimanche matin et à faire un peu de caté. De plus en plus, il nous faut produire des rapports, des articles, préparer, convoquer, assister à des réunions, parfois en faire des comptes rendus, répondre à une quantité incroyable de mails, en lire beaucoup, sans savoir s'il faut que... y répondre, les garder, les détruire. Parfois, il m'arrive de les garder plusieurs mois, comme ça, sans parvenir à se décider. Il nous faut comptabiliser des actes pastoraux, des kilomètres, se préoccuper de l'offrande, préparer des diaporamas, installer une sono, un vidéoprojecteur. Et depuis le confinement, nous nous sommes improvisés techniciens en communication via réseaux sociaux, télé ou visioconférence. Nous devenons vidéastes, décorateurs, monteurs. Mais ça, frères et sœurs, ce n'est rien. Ou en tout cas, ce ne serait pas grave si je pouvais me sentir un peu moins prise dans un mouvement général inexorable de productivisme qui détruit la vie familiale, la vie sociale, la vie de la planète. Oui, frères et sœurs, il m'arrive de penser que le monde est devenu fou et que nous sommes un peu comme ces peuples assemblés pour bâtir la tour de Babel réunie par une seule langue. Laquelle ? On pourrait penser qu'il s'agit du globish, cet anglais primaire et parfois approximatif, pratiqué par tous les peuples de la Terre pour communiquer sur les réseaux sociaux. On pourrait dire aussi que les chiffres sont la langue la mieux partagée du monde. Mais moi, je crois qu'il s'agit du langage économique. Une langue qui utilise et le globish et les chiffres. Une langue qui s'affiche en termes de PIB, de croissance, de pouvoir d'achat, de productivité, de dividendes, de rapports, avec un baromètre sur lequel nos yeux sont constamment rivés, car ne sommes-nous pas aussi personnellement, continuellement évalués, depuis la maternelle jusqu'à la retraite, et même après? Car grâce aux montres connectées, désormais, même notre santé au quotidien est chiffrée en nombre de pas, en rythme cardiaque, en calories ingurgitées ou dépensées, pour que nous puissions mieux gérer la dépense médicale, etc., etc., etc. Oui, lorsque je me vois prise dans cet engrenage-là, il m'arrive d'être déprimée. Car au sommet de cette montagne de chiffres, je ne vois rien, si ce n'est une illusion de puissance avec en haut les plus puissants, les plus riches, et tout en bas de l'échelle, les plus pauvres parmi les plus pauvres, qui aspirent à aller vers le haut.
Et encore plus bas, la terre qui se vide progressivement de l'intérieur pour nourrir cette croissance. La tour que nous habitons creuse un abîme en dessous d'elle. On l'appelle parfois gouffre déficitaire, dette publique, pour mieux cacher la véritable dette qui est due à la terre, avec la catastrophe qui s'annonce derrière. Oui, frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'être profondément déprimée, car je ne vois pas comment sortir de là. Heureusement, me direz-vous, que ce que je ne sais pas faire, le petit et méchant Corona l'a fait, lui. Il a arrêté la grosse machine économique. En réalité, le petit et méchant Corona est une des conséquences de ce gouffre, de cet abîme que nous creusons. Comme les catastrophes naturelles, incendies, sécheresses, typhons, les épidémies et la pollution, d'après un article du Monde diplomatique d'il y a quelques semaines, les pandémies sont une conséquence de la dégradation de notre environnement. Un signe potentiel de l'effondrement de notre tour de Babel nous invite à changer d'urgence. Pour la première fois, les pays du monde entier sont placés face au réel. Pour la première fois, les plus puissants de la Terre sont confrontés à un phénomène qui les arrête, tous ensemble. Sauf les GAFA. Google, Apple, Facebook et Amazon ne se sont jamais si bien portés, frères et sœurs. Il se pourrait que dans cette catastrophe aux conséquences désastreuses pour notre économie, les uns tirent leur épingle du jeu et nous entraînent à bâtir cette tour avec des moyens différents, les leurs notamment. Tandis que d'autres cherchent à asseoir leur pouvoir et à reporter la responsabilité sur des boucs émissaires chinois, musulmans, étrangers et que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, les hommes sont des muscles ou des cerveaux à exploiter, à manipuler. Il se pourrait bien qu'au lendemain de la catastrophe, nous repartions de plus belle pour rattraper le retard, que nous nous précipitions dans les magasins, chez les uns, chez les autres, pour faire la fête. Il se pourrait bien que nous nous dépêchions d'oublier. Alors que faire? Que faire pour que, enfin, notre monde change? That is the question, dis-je en globish. Frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive d'être profondément déprimée. Et en relisant récemment ce texte de la Genèse où Dieu invite les êtres humains à remplir la terre et à la dominer, j'avoue que je suis restée une nouvelle fois perplexe. Est-ce que Dieu ne se serait pas trompé? Est-ce qu'il ne nous aurait pas emmenés dans le mur? Où est Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il ne nous a pas abandonnés à ce projet délirant? Le judéo-christianisme n'est-il pas la racine du problème? Tenez, je me sens finalement un peu comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, déprimé et perplexe. J'en viens même à douter, oui, douter de ma foi, du sens de mon ministère. Alors je relis ce texte écrit par Luc et je me demande s'il peut m'apprendre quelque chose. Et ce qui me frappe à présent dans ce récit de l'évangéliste, c'est que Jésus vient rencontrer les disciples sur leur chemin même
de déception, de doute, de sentiment d'abandon. Jésus fait route avec eux. Le mouvement n'est pas vertical, mais horizontal. Jésus se fait compagnon et s'adresse à eux dans leur propre langue. Alors je repense à tout ce que nous vivons depuis le début du confinement, à ce dégrisement auquel nous faisons tous face en ce moment, un peu comme la foule après la Pâque. La foule qui rentre chez elle et qui peut-être réalise ce qu'elle a fait. Demander la mort de celui que quelques jours auparavant elle avait acclamé. Oui, je me dis que nous sommes peut-être une grande majorité comme cette foule. Une foule qui rentre à pied chez elle et qui durant ce temps peut prendre le temps de penser, de réfléchir, de discuter comme ces deux disciples qui parlent et qui élargissent leur conversation avec un inconnu. Et comme beaucoup d'autres en ce moment, je réalise que ce qu'a réalisé ce petit et méchant Corona peut être aussi vécu comme une opportunité de rencontre avec nous-mêmes, avec nos proches, et paradoxalement, avec le monde. Il faut souvent faire un pas de côté pour rencontrer le monde. Et je pense au site internet de notre Église qui s'est animé de lectures et de méditations quotidiennes, au nombre de clics qui s'est multiplié et qui témoigne de la soif de réflexion et de sens que nous avons. Aux prières du midi, qui de mensuelles sont devenues hebdomadaires, à tout ce réseau d'appels téléphoniques vers les plus vulnérables d'entre nous qui s'est mis en place. Frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis qu'il faut peut-être que j'arrête de regarder la montagne de difficultés à gravir, la montagne d'empêchements à combattre pour parvenir à changer le monde. Il faut que je cesse de ruminer la montagne de ma déprime, ma désillusion et mon angoisse. Et peut-être qu'enfin, je fasse attention à ce Jésus-Christ qui chemine avec moi à mes côtés, qui me rejoint dans mes ruminations et qui m'écoute. Il faut peut-être que je ne regarde plus vers le haut, mais que je rencontre le très bas. En écoutant ce récit du chemin d'Emmaüs et en pensant au mouvement d'interconnexion, à cette communion qui s'est révélée dans notre communauté durant ce temps de confinement, je peux lâcher ma déprime et m'ouvrir à la joie de la rencontre. Je peux laisser le Christ m'instruire. Je peux me laisser vaincre par lui plutôt que de vouloir vaincre le monde. Je peux le laisser m'aimer, le laisser me diriger avec exigence plutôt que de haïr le monde. Alors, frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais bien envie, comme les deux disciples, de le retenir encore un peu, ce très bas qui chemine avec moi. Je voudrais bien partager le pain avec lui, ou plutôt le laisser partager son pain avec moi, et sans doute plus que ça. Je voudrais bien que ce confinement dure encore, et que, comme la belle au bois dormant au réveil, tout soit transformé sans que nous n'ayons eu besoin de changer. Ce serait bien, hein? Mais Jésus n'a jamais voulu saisir la baguette magique que lui tendait malicieusement le diable. Et il nous invite à faire de même, sachant que quoi qu'il arrive,
Il est présent et il nous ouvre la voie. Mais laquelle, bon sang, mais laquelle? C'est ce que j'aimerais bien savoir depuis le début de cette prédication. Lorsque je repense aux deux disciples s'en retourner vers Jérusalem, tout joyeux, et retrouver les apôtres, je comprends que nous pouvons faire de même. En effet, frères et sœurs, il n'y a pas de baguette magique, de recette miraculeuse. Il y a un Dieu qui chemine avec nous et qui nous invite, nous aussi, non pas en regardant vers le sommet de la montagne, mais en regardant vers l'autre, notre prochain, à cheminer avec lui, à parler, à discuter et à repenser notre monde, notre environnement le plus proche au plus bas. C'est par un mouvement horizontal et non vertical que le monde peut véritablement changer. Alors parlons, discutons à table avec nos parents et enfants, avec nos amis, avec les frères et sœurs de nos églises. Regroupons-nous, changeons ensemble nos habitudes, nos petites habitudes du quotidien. Partageons nos rêves, nos aspirations. Et donnons-nous les moyens d'y parvenir, car le monde nouveau ne viendra pas du Très-Haut, ne viendra pas d'en haut de nos gouvernants, des plus puissants. Le monde nouveau vient du Très-Bas, celui qui, quoi qu'il arrive, chemine avec nous, le ressuscité. Alléluia. Voici le temps de confesser notre foi, frères et sœurs, et je vous invite à reconnaître avec moi qui est Jésus pour nous en nous associant à cette confession de foi écrite par Marion Muller-Collard. Je connais un Christ de chair qui se penche vers la terre pour accomplir la loi d'hier en parole d'aujourd'hui. Je connais un Christ de sang qui n'a pour loi que le vivant, et pour credo la dignité des hommes que Dieu a enfantés. Je connais un Christ d'esprit qui dispense autour de lui le courage et le discernement, l'inventivité et le lent ébranlement qui dérangent nos fondements pour nous remettre en marche. Je ne connais pas le Christ de marbre, mais je connais un Christ vibrant qui consigne son éternité de la poussière de nos vies. Et ce Christ de chair et d'esprit et de sang laisse les tombeaux, suscite des courants d'air et ranime les vivants. Amen. Un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Ils sont différents les chemins, chacun poursuivant son chemin, mais il y a des croisements en chemin. Oui, en chemin, un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Ça c'est vraiment dur en chemin, on n'est jamais sûr en chemin, on bute sur des murs en chemin. Oui, en chemin, un chemin
Je vous invite à la louange. Te louer, mon Dieu, c'est construire un château avec des petits cailloux que l'enfant glane sur le chemin de ses rêveries. C'est faire un festin d'un bout de pain qu'offrira un voisin et qu'on mâchera lentement dans une grande attention au fait d'être vivant. Te louer, c'est siffler un air de printemps au plus profond d'un soir d'hiver. C'est regarder le point minuscule d'une étoile dans le ciel et revoir à la hausse les dimensions de l'univers. C'est revoir à la baisse notre propre importance. C'est de se sentir petit et immense de te connaître. C'est rire pour trois fois rien aimé. C'est jouir simplement de se sentir vivant dans une poignée de mains. Te louer, mon Dieu, c'est mordre dans un fruit, c'est goûter un vin nouveau, c'est reconnaître enfin ta divine alchimie derrière le bout de l'eau. Alléluia. Et pour prolonger cette louange, je vous invite à chanter avec nous au cantique 41-07, Jésus, ton nom est le plus beau. Malgré le confinement, notre Église continue de payer les charges et les salaires des pasteurs. Pour y contribuer, nous vous invitons à envoyer un chèque au trésorier de l'Église protestante unie de Grenoble, 2 rue Joseph Fourier. Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur notre site ou encore adhérer au prélèvement mensuel. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous remettons à notre Église une offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole, nous portons maintenant devant Dieu ce qui nous entoure. Je vous invite à la prière.
Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui marchent sur les chemins de la vie. Que ceux qui courent apprennent à ralentir, à se reposer. Que ceux qui marchent aient la force de continuer dans la durée, tout en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur chemin. Que ceux qui ne peuvent plus avancer soient relevés et remis en route par ta parole. Et que même de leur immobilité, ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture. Nous te prions, Seigneur, pour les exilés et pour ceux qui sont trop bien installés. Donne aux uns un espace qui puisse devenir leur chez-soi et aux autres le souffle du grand large, le désir de la découverte. Donne-nous, Seigneur, de trouver sur nos pas la diversité et de rechercher ensemble l'unité. Donne-nous le discernement et la force de prendre nos responsabilités dans les sociétés qui sont les nôtres, afin d'inventer de nouveaux modes de vieillir où les valeurs premières sont la vie, la paix et la dignité. Guéris notre peur d'aller vers les autres. Montre-nous la richesse de découvrir leurs différences, la richesse des échanges et celle de l'étrangeté. Et donne-nous, Seigneur, d'être des témoins de ton amour et des chercheurs de ta volonté. Alléluia. Et comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, verset 33, voici ce que nous pouvons lire. Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux. Oui, le corps des disciples s'est mis en mouvement. Comme d'un seul homme, ils se sont levés et ont couru retrouver les 11 et leurs compagnons. Leurs regards tournés vers Jérusalem, ils ne perdront plus Jésus des yeux. Leurs yeux ont vu celui qui leur était caché. Jésus n'est pas mort, non, car il donne sa vie. Alors, frères et sœurs, levons-nous, nous aussi, à la suite de Jésus, à la suite des femmes qui de bon matin allèrent au tombeau, à la suite des disciples et de tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de celui qui est avec nous du très bas. Recevons la bénédiction que le Christ ressuscité vous ouvre des passages dans vos deuils, dans vos peurs et dans vos heures de souffrance. Que le Christ ressuscité chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que le Christ ressuscité vous accompagne dans le printemps des commencements. Alléluia.